That was wonderful. Next, we have Mr. Tresor Casarica. He is from the GCV De Democratic Republic of the Congo. He is a resident of the DRC, a electromechanical and robotics engineer, user of Pi Network since 2020, and passionate about cryptocurrencies. mr. Tressot. Oui, bonjour, monsieur David. Merci pour la parole. Euh, toutefois, je vais commencer à adresser mes salutations au docteur Nicolas, le fondateur de notre projet P-Network, mais aussi je vais adresser mes salutations à Mme Doris qui est notre ambassadrice et l'initiateur du prix JCV. Mon discours JCV 314 159 dollars. Bonjour, chers auditeurs de notre conférence de support JCV 314 159 dollars. Au milieu de l'enthousiasme suscité par le lancement imminent du réseau principal d'Epi Network, un débat roulé a éclaté au sein de la communauté mondiale et des pionniers sur la valorisation de la crypto-monnaie. La question litigeuse tourne autour de la valeur des consensus mondiales, gcv pour Pi, qui s'élève à 314 159 dollars par Pi. Je suis trésor manager, JCV, 314 159 dollars en heure Par ce discours, je vais juste donner mon point de vue concernant une stratégie qui pourrait pousser à l'acceptation, l'utilisation et l'épanouissement des 314 et 314,59 dollars dans cette période avant même été ouvert dans la communauté Pi. Nous sommes d'accord tous que c'est l'échange de biens et services va nous donner les prix des Pi coin. Pi Network c'est un projet de crypto-monnaie axé sur l'accessibilité et l'inclusion visant à permettre à tout utilisateur de miner de la crypto-monnaie via un appareil mobile et à développer un écosystème numérique pour les transactions quotidiennes. Et le prix sera déterminé par nous les pionniers et non par la core team. Et les choix des pionniers n'est autre que les 314 159 étant les prix global consensuels. Pour réussir le projet JSUV de 314 159 dollars, nous devons clairement comprendre pourquoi il existe et comment nous pouvons y parvenir. Le Fiat partiel est une nécessité lors du processus de création des prix car c'est équilibré de deux parties. Notre approche étape par étape, en commençant par les petits objets des pionniers, pour créer les données GCI. Au fur et à mesure que nous gagnerons plus d'utilisateurs et avec les options fiat partielles 50/50, les commerçants seront attirés et notre communauté GCI grandira encore davantage de nos jours. Toutes les entreprises recherchent des clients et dépensent beaucoup d'argent en publicité et marketing, mais nous pouvons les aider à toucher davantage d'utilisateurs. Nous devons équilibrer les intérêts des pionniers et des commerçants pour en faire une situation gagnant-gagnant. Si nous insistons sur le paiement intégral du pays, nous n'aurons qu'un nombre limité de produits et la plupart seront des petits articles. Si les pionniers profitent des commerçants et leur demandent le paiement intégral de PIE avec des produits de grande valeur, ils s'enfuiront et seuls les commerçants qui souhaitent accumuler reste restent dans l'écosystème à des fins de court terme. C'est la raison pour laquelle nous voyons certains commerçants vendre un téléphone portable avec 4000 PIE. Et une voiture d'occasion, 1000 pis, voire même du 10 1000 pis. Je crois que si nous appliquons euh, cette stratégie 50-50 euh, va nous aider à faire comprendre les pionniers. Mais aussi, je crois que les pionniers sont en train de comprendre, et si nous tous nous nous mettons au travail d'éduquer les autres pionniers moralement, financièrement et matériellement concernant les préjugés civils. Alors là, on sera en train d'aider pas seulement les pionniers, mais nous aussi, car nous sommes tous mineurs de P-Network. À l'accord team de respecter nos pétitions lancées récemment pour l'ouverture du Mainnet le 28 juin de cette année. Au prix de 314 000, dollars, car c'est notre choix tous et nous les manifestons par l'échange des biens. Comme nous devons le savoir, l'accord team nous, et nous les pionniers nous formons une famille dont l'accord team est supposé être le père de la famille et nous pionniers nous sommes supposés être la femme de la maison dont nous nous allons euh, mettre au monde l'enfant qui sera autre que euh, les mains nettes ouvertes. Merci pour la compréhension de cette stratégie Je suis très manager GCV de RDC. Merci, chers auditeurs. Thank you, Mr. Tessor. And again, please forgive me if I am killing or butchering your name. I apologize. Please do not hold that against me. I am trying my best.